Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler tuto, création crochet, on va parler entrepreneuriat, puisque là, on n'est plus trop dans l'étape créative des illustrations, puisque j'en ai fait assez. Pour l'instant, j'arrête la peinture pour me mettre vraiment à fond dans le e-shop pour qu'il soit prêt bientôt, j'espère. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais recevoir. Je vais vous montrer le sticker que j'ai reçu, que je vais vous offrir dans votre petit colis. J'ai reçu une affiche, une affichette. Un A5, c'est un petit peu le format d'une carte postale petite affiche. Je suis pas contente de l'épaisseur, mais je vais vous montrer. Je pense que celle-ci, je vais les vendre pas cher. Et je pense également que c'est très bien pour les encadrer. Donc je vais les préciser. En fait, je vais préciser bien sûr l'épaisseur du papier et tout ça. J'ai dû me tromper dans la commande. Enfin, je me suis trompée dans la commande. Mais je vais quand même en parler avec mon fournisseur pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Sinon, dans le dernier vlog, je vous ai dit que j'allais faire une écharpe. Et finalement, je vais faire un pull. Parce que j'ai trop froid. Hier, il a fait super froid et je crois que demain, il fait moins 1 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé. J'adore. De toute façon, il n'y a pas quelque chose que je n'aime pas au crochet. Donc, voilà, je suis en train de faire un pull top-down. En rond avec un point de riz. Vous, de toute façon, peut-être que vous l'avez déjà vu si vous avez regardé le tuto de vendredi. Je vais le publier pour vendredi. Du coup, vous allez me suivre un petit peu dans ma semaine où je vais enregistrer le tutoriel, où je vais crocheter. Voilà, un petit peu comme je fais d'habitude. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce vlog. Il n'y aura pas de grandes nouveautés, si ce n'est le suivi de la progression du e-shop et de mes tutos. Et des nouvelles, si, il y aura des nouvelles. Par exemple, il y en a une dont je voulais vous parler. J'ai été contactée par l'entreprise Wooskill. Wooskill qui est une plateforme créée par une femme. Et ça me plaît déjà. L'idée me plaît beaucoup. J'ai été contactée pour intégrer l'équipe créative de Wooskill. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Wooskill, c'est une plateforme de talents, donc de créateurs, qui mettent en service leur savoir-faire. Pour un certain prix, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du principe des masterclass. En fait, les masterclass, c'est des cours. Là, ce sera que en live. C'est pas une vidéo ou un tutoriel que je vais enregistrer. C'est des lives que je vais programmer dans la semaine avec, bien sûr, ceux qui vont s'abonner, me demander s'ils veulent un cours ou plusieurs cours. Enfin, je sais pas trop, en fait, comment ça va marcher. Puisque, en fait, je vais avoir le cofondateur au téléphone à 14h, donc je vous en dirai plus tout à l'heure comment ça va se passer, mais en gros c'est ça, c'est une plateforme de talent et ça m'intéresse vachement parce que bon, déjà c'est il y aura plus de proximité avec les gens, c'est intime et je pourrais donner beaucoup plus de mon savoir-faire, de mon expérience, on peut appeler ça expertise aussi au niveau du crochet. Je pourrais créer des lives autour
d'un projet créatif en particulier. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Domestika. Je crois que c'est américain, Domestika. Eh bien, c'est un petit peu le même principe que Domestika. Je vous mettrai un lien de WooSkill si ça vous dit d'aller voir. Il propose vraiment beaucoup de choses. Ça va de la. Si vous avez envie d'apprendre la guitare, il y a des cours de guitare, il y a des cours d'anglais ou des cours de. Je sais pas trop, de couture, des choses comme ça. Et c'est vraiment des cours. C'est pas. C'est du live, quoi. C'est. En fait, ce qu'ils permettent dans leur plateforme, pardon, c'est de justement d'avoir une plateforme où je vais moi pouvoir m'exprimer avec enfin, ma communauté, les gens qui vont s'abonner ou qui vont prendre un cours ou deux cours. Bon, ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail parce que je ne sais pas moi-même encore ce que je vais proposer dans la plateforme, vous voyez. Mais c'est un truc qui me plaît vachement. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, des systèmes de masterclass pour les gens qui ont envie d'avoir des conseils plus poussés et être en contact avec moi directement. Parce que parfois c'est difficile de répondre aux commentaires de personnes qui me posent des questions très précises sur des choses il faudrait que je sois en face d'elles pour répondre à ces questions-là, parce que c'est à l'écrit, des fois je me dis, est-ce qu'ils vont comprendre? Enfin, vous voyez, bref, on va voir tout ça. Sinon, je voulais vous parler aussi d'une laine, la Dusty. Alors, je l'ai déjà utilisée sur la chaîne, mais pas avec ce coloris, j'adore ce coloris. Et je voulais vous demander si vous aviez une idée d'ouvrage que je pourrais faire avec. J'ai pensé peut-être à un pull pour homme, pull unisexe ou pull pour homme. Dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, je vais vous montrer le sticker que je vais offrir et la fameuse affiche dont je ne suis pas contente de l'épaisseur. Donc nous y voilà. Donc ça c'est l'affiche. Et vous voyez, le papier est souple. Alors ce genre de papier c'est très bien pour encadrer. En même temps le format, ça fait pas vraiment carte postale. Je trouve que c'est un format très grand. C'est comme une mini affiche quoi. J'ai signé à l'arrière. Oh là. Après, on m'a demandé est-ce que j'allais signer mes créations. Alors, je pense que. Bon, ça fait pas le point. Je pense que mon abonné voulait dire est-ce que je vais les signer à la main. Bien sûr, enfin, les. Comment dire? Les dédicacer? Peut-être. C'est une bonne idée. En tout cas, celles-ci, je les mettrais beaucoup moins cher. Je vais quand même les mettre en ligne parce que je trouve qu'elles sont très très bien. Enfin, elles sont très bien pour être encadrées. Je suis très, enfin, je suis ravie de la couleur. Ça, c'était très important pour moi que les couleurs respectent bien ma création. Et là, j'ai les stickers. Et là, les stickers, vraiment, je suis ravie. Ravie, ravie. Je vais essayer de vous montrer les brillances qu'il y a. Je pouvais le faire mat, mais j'ai préféré brillant parce que brillant, ça respecte plus les couleurs de l'illustration. Et vous voyez, il y a comme un petit relief. Enfin, j'adore. En plus, ce petit dessin qui nous correspond bien toutes. L'amour pour la laine. Donc voilà, ça c'est un petit sticker que je vais vous offrir. Et j'attends encore d'autres choses. Je vous montrerai au fur et à mesure de la semaine.
Nous sommes toujours lundi soir et je voulais vous parler de mon rendez-vous téléphonique avec Wooskill, avec qui je vais du coup travailler. Et alors, c'est pas vraiment que je vais travailler avec eux, c'est que je vais pouvoir, comme je vous expliquais tout à l'heure, Wooskill, c'est une plateforme de talents et de services un petit peu, à l'intérieur de laquelle je vais pouvoir proposer, je pense, des ateliers crochet. Alors, ça va se passer en live. C'est comme c'était des ateliers. Oui, voilà, des ateliers visio. Alors, il y a plusieurs options. Je ne sais pas encore quelles options je vais choisir. Enfin, c'est moi qui dois les créer. Je pense que je vais déjà créer une activité avec une personne. Ensuite, par groupe, voilà, je pense que je vais déjà, enfin, je réfléchis en même temps, c'est quoi la meilleure option. Mais si vous avez des idées, je veux bien que vous me les laissiez en commentaire. Voilà, c'est un service, donc eux, ils ont un site dans lequel tout est paramétré à l'intérieur. Il faut que moi, je paramètre mon espace à moi avec mes offres. Et puis ceux qui ont envie de s'inscrire, ils pourront s'inscrire. J'aurai un planning par semaine. Donc c'est moi qui gère tout ça, hein, qui va décider quel jour c'est le mieux, quelle heure, etc. Donc ça, pour ça, j'ai besoin que vous me laissiez en commentaire, par exemple, si jamais vous êtes intéressé par un live avec moi, donc plus approfondi autour du crochet. Bien sûr, je vais proposer aussi des activités. En fait, je vais animer soit un atelier avec plusieurs personnes, soit un atelier avec une seule personne. Ce sera plus un atelier, du coup, ce sera plutôt une masterclass. Voilà, en fait, c'est le principe, c'est de se réunir, de se voir, de parler de crochet, et bien sûr, il faut qu'il y ait des sujets à aborder et aussi des créations. J'aimerais bien aussi proposer des ateliers avec une création en particulier, par exemple, ou ce genre de choses. Mais si vous avez des idées, surtout laissez-les-moi savoir en commentaire. Sinon, j'ai bien avancé le pull. Là, j'en suis à. Il est dans le salon, donc j'en suis à. J'ai fait la partie au niveau des dessous des bras, comme je vous explique à chaque fois dans les tutos. Et je vais dérouler toute la longueur du pull pour ensuite faire les manches, et puis je vais faire des points élastiques. J'aime bien les points élastiques sur les pulls, je trouve que c'est ça rajoute un joli détail. Voilà. Et quelle heure il est? Ah oui, il est 20h30, donc je vais aller manger avec ma fille, et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Demain, normalement, je reçois un colis. Je ne sais pas si c'est un colis Tessilante, parce que j'ai commandé du fil d'acrylique pour faire d'autres ouvrages à l'acrylique. En ce moment, j'utilise pas mal la Bravissimo. Voilà. Donc voilà, bah, on se voit demain. Coucou, nous sommes mercredi et aujourd'hui. Alors attendez, je vais vous montrer l'avancée du pull. Là aujourd'hui, je vais filmer les finitions en bas, je vais faire un petit point élastique, je vais faire la première manche et je vais filmer sans doute demain ou ce soir la deuxième manche. J'adore le rendu, je trouve super beau et avec l'acrylique, il est super agréable à porter. Je l'ai fait assez juste pour moi, puisque le crochet va se détendre ensuite,
il va se détendre, donc je pense que il va être un peu plus large du coup. Et ça, c'est un conseil aussi que je voulais vous donner, de faire les vêtements pas trop trop larges, disons un petit peu plus larges quand même, pas près du corps, si vous avez envie de le porter un tout petit peu plus large, vous voyez. Sinon, j'ai reçu aussi des illustrations hier, je vais vous montrer. Je me suis organisé un petit plan de travail, un petit coin rangement dans le salon pour pouvoir démarrer. J'attends plus que les bloc-notes. Et voilà, je suis en train de négocier avec un fournisseur pour faire des mugs, mais c'est pas évident de trouver un bon fournisseur pour les mugs. D'ailleurs, si vous avez des pistes, je suis preneuse. Voilà, je ferai peut-être en petite quantité, c'est sûr, parce que c'est quand même pas donné. Mais j'aimerais bien faire des mugs et des tote bags, comme je vous ai dit. En plus, vous m'avez demandé aussi des tote bags. C'est quelque chose que j'ai très envie de faire, parce que nous, les crocheteuses, on utilise pas mal les sacs pour se balader, aller crocheter dans la nature ou même ranger les pelotes, tout ça. Moi-même, j'utilise énormément de tote bags. Et j'aimerais bien sûr faire une illustration spécifique pour les tote bags avec une chouette idée. Voilà. Sinon, bah, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai rangé l'atelier. Tout à l'heure, je vais sortir, je vais aller chercher ma fille à 12h30. Donc je vais vous filmer, il fait pas beau, mais je vais vous filmer des images un petit peu de l'extérieur, un peu de nature, pour décorer le vlog, comme j'ai l'habitude de faire. Et voilà, on se dit à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai dans mon salon, j'ai un coin où j'ai placé tous les cartons avec tout ce que j'ai reçu. Celle-ci, je crois que je vous l'ai montrée. Celle-ci aussi. Celle-ci, je ne vous l'ai pas montrée. Il était une fois un crochet si fin qui se crochetait en sirotant du vin. Avec son crochet agité, elle crochetait et marmonnait. J'ai plus de fil que de temps. Alors, vous avez peut-être vu comment je l'ai dessiné. J'ai reçu aussi celle-ci. Alors celle-ci, c'est ma préférée avec ma fille aussi, elle l'adore. Les vacances, le départ en vacances, ça donne envie, hein. Alors la lumière bleue, c'est parce que je mets des lumières en fait de croissance pour mes plantes l'hiver, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc c'est pour ça que vous voyez. Alors les couleurs, du coup, vous n'allez pas les voir comme elles sont réellement. Là, j'ai mes cartes. De visite, remerciements. Là, j'ai une autre affiche que je vous ai déjà montrée et j'en attends. Et du coup, j'attends bah, les bloc-notes, comme je vous ai dit. Ici, j'ai les cartons à plat pour pouvoir placer les illustrations pour pas qu'elles s'abîment. Là-haut, j'ai mes stickers. Et il y a une d'entre vous qui m'a dit que au lieu de les mettre dans des sachets plastiques, je devrais peut-être les mettre dans des sachets carton à l'intérieur de l'enveloppe. Ici, j'ai les enveloppes. Des enveloppes d'expédition. Et du coup, je réfléchis à cette proposition de les mettre dans un sachet plastique ou alors je les mets directement comme ça dans l'enveloppe, mais j'ai peur qu'elles s'abîment. Voilà. Donc, un petit coin ici avec ce petit truc là que j'ai acheté chez Action il y a un moment, j'ai mis là pour utiliser. Mais voilà. J'ai allumé les lumières parce que il fait sombre, c'est le matin, très tôt. Donc voilà. Puis après, je vais mettre une table pour pouvoir emballer les colis. Et ici, j'ai mes plantes que j'ai un petit peu réorganisé tout ça. Vous voyez les lumières de croissance. Alors ça, il faut le mettre. 2-3 heures, pas plus, hein, la journée, ça leur suffit. Il n'y a pas assez de lumière dans la maison. Ici, j'ai un gros chat. Je ne sais pas si je vous ai présenté Chaplin, comme
Coucou, chat. Coucou, ma chapeline. Hier, on leur a mis du... C'est pour ça qu'elles ont les poils comme ça. On leur a mis de l'antipuce. Parce que comme elles peuvent sortir, ben, il faut qu'elles soient protégées des bestioles. Plus les vaccins, bien sûr. Mais ça, les puces... Oh, mon chat. Bon, oui. T'as pas aimé, hein. Aimer le produit. Oh non. Nous sommes jeudi soir, enfin en fin de journée, et là j'ai fini le pull. Je vais vous montrer. Donc je vais faire les photos, je vais me maquiller un petit peu, faire les photos, faire le montage. Et je vais vous filmer tout ça un petit peu en accéléré pour que vous voyez bah déjà comment me va le pull, enfin comment il se porte. Et je voulais vous dire aussi, bah, mais je vous l'ai dit dans le tutoriel, les franges en fait, vous pouvez le porter à l'endroit, enfin il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, donc en fait réversible. Mais je vais faire des photos, donc vous verrez mieux porter. Allez, c'est parti! Vendredi après-midi, ce matin j'étais en retard pour ma publication du pull, donc je pense que là vous avez dû le voir, enfin celles qui pour qui ça les intéresse. Et je vais répondre à un commentaire qui m'a été posé
sur combien de temps je mets pour faire un ouvrage. Eh bien, celui-ci, je l'ai commencé dimanche. Dimanche, j'avais fait toute la partie top-down, toute la partie d'en haut. Disons que ça, en général, je peux mettre une soirée à la faire. Ouais, j'avais commencé dimanche dans l'après-midi, puis j'ai terminé dimanche soir. Voilà, j'ai mangé, je me suis pas couché tard, voilà. Ensuite, lundi, mardi, mercredi et jeudi. C'est, voilà, je commence à travailler à 8h30, 9h. Et puis ensuite, je fais des pauses pour déjeuner. Et ensuite, je me remets au travail l'après-midi. Et je mange et une partie de la soirée après. Voilà. Donc pour quelqu'un qui travaille au bureau, je sais pas, il faut calculer comme ça, de cette façon. Je saurais pas vous dire. Ça dépend de l'activité de chacun. Et combien de temps on consacre au crochet par jour. Mais voilà, je crochète, sinon je crochète normalement plutôt même lentement, je trouve, par rapport à d'autres crocheteuses ou d'autres crocheteurs. Ouais, plutôt normal. Voilà, j'espère que j'ai répondu. En tout cas, si vous regardez ce vlog ou même les autres vlogs, vous pouvez un petit peu voir en combien de temps je fais. Et encore, moi, je fais l'ouvrage, mais en même temps, je filme. Donc, je fais pas que du crochet. Je filme en même temps. Je prépare le tuto, les calculs, enfin, comme vous, si vous voyez les vidéos, les tutoriels, vous voyez comment ça fonctionne à peu près. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu. Je vais regarder, tiens, si j'ai pas d'autres commentaires. Alors, coucou. Où peut-on envoyer une photo? Vous pouvez l'envoyer sur le groupe Facebook. Je vous mettrai le lien soit ici, soit dans la barre d'infos. Enfin, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Sinon, vous allez sur Facebook et vous tapez Crochet Maniaque, groupe de la chaîne Crochet Maniaque. Et là, vous allez vous inscrire et devenir membre du groupe privé. Et puis là, vous pourrez poster vos photos. Et puis, vous allez voir, il y a une communauté très très sympa dans ce groupe. Tout le monde, enfin tout le monde. Celles qui voudront, ben, pourront vous commenter vos créations. Je pourrai les voir. Voilà. Parce que sur YouTube, on ne peut pas partager les photos. Voilà. Sinon, j'ai reçu mes deux bloc-notes pour ma boutique en ligne. J'étais en train de parler avec une assistante de chez Shopify tout à l'heure, parce que les paramètres, là, ça devient un petit peu compliqué. Donc je vais faire ça aujourd'hui, là, ce soir. Ce soir, je vais prendre le temps tranquillement de me poser, et puis de voir tout ça. Sinon, j'attends encore des affiches la semaine prochaine et je vais vous montrer les bloc-notes et je vais vous montrer parce que j'ai fait des photos des produits tout à l'heure, enfin des produits que j'ai déjà. J'ai commencé à faire des photos, j'ai mis un petit peu de bordel, mais comme je veux que les photos soient le plus réel, sans filtre possible, j'attends qu'il y ait de la lumière. Donc là, en fait, j'ai pu faire vite fait des photos tout à l'heure, quand il faisait, enfin, quand il y avait un peu plus de lumière. Là, il est 16h, donc ça commence à baisser. Puis comme il fait pas beau, voilà. Mais c'est mieux, quand on fait des fiches produits, d'avoir des photos réalistes, pas de photos avec des filtres ou quoi que ce soit. Et sinon, bah, je me suis maquillée et pour faire les photos de mon profil sur Woolskill, la plateforme dont je vous parlais un petit peu plus avant dans le vlog.
là où je vais proposer des ateliers, des séances de crochet. Et il faut créer son compte, donc il me fallait des photos de présentation, voilà, tout ça. Bon, bah, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Vous voyez, c'est là où je me suis mis pour faire les photos des produits. Et bon, là, j'ai mes lumières de plantes. Du coup, bah, on voit rien. Ça, c'est un bloc-notes. Voilà. On voit rien là. On voit pas bien les couleurs. Je vous en. Donc voilà. Bah, j'espère que là vous verrez un petit peu mieux. Je pense que bon, bah, le blanc vous le voyez bleu à cause de, bah, du manque de lumière. Celui-ci, donc voilà, il est comme ça. C'est un format plutôt vertical. Je l'aime beaucoup. De très bonne qualité. Très très bonne qualité. Et celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une différence de couleur de papier. Celui-là, il est plus crème. J'ai fait plusieurs dessins, enfin, illustrations pour les bloc-notes. Donc, je pense que je vais continuer avec ce fournisseur-là. Mais le problème, c'est qu'il met beaucoup de temps à livrer. Donc, va falloir que j'anticipe. Bon, déjà il y a ces deux-là avec deux formats différents. Je les trouve trop mignons tous les deux. Peut-être que pour le prochain. Enfin, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de ligne sur celui-ci, que l'on puisse faire des petites annotations un peu partout. Et sur celui-ci, je me suis dit que j'allais mettre des lignes pour si on a envie de noter des choses bien précises, étape 1, étape 2, voilà, ce genre de choses. Donc voilà où j'en suis dans mon avancement. Pour vendredi prochain, je vais faire un châle avec un joli fil. Et pour le vendredi d'après, je vais faire le. Attendez, je m'emballe pas trop parce que j'ai dit que j'allais faire une écharpe et je ne l'ai pas fait. Mais le châle, c'est sûr. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Et le. Oui, le pull de mercredi. Ça c'est sûr, sûr aussi. Donc je sais pas si ce sera mercredi prochain le pull de mercredi, vendredi prochain le pull de mercredi, ou vendredi prochain d'abord le châle. En tout cas, ça c'est les deux tutos qui vont venir dans les deux vendredis qui arrivent. Voilà, je vais fermer, enfin je vais terminer le vlog ici et je reprends un nouveau vlog lundi où. Je vous montrerai plus d'avancées. Peut-être que je vous montrerai un peu comment les premières pages de mon site. Un peu voir comment il fonctionne et tout ça. Je vous tiendrai au courant aussi de mon aventure avec WooSkill. Et je vous laisserai des liens si vous avez envie de vous inscrire aux ateliers. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Plein de gros câlins et à très très bientôt. Ciao ciao!